Salut. Salut. T'as une minute, je voudrais te parler d'un sujet qui n'est pas vraiment très facile à aborder. Ah. Lequel on choisit? J'ai pris trop de douches avec ma maman? Non, en fait, j'avais une idée précise en tête. Ah bon, vas-y, vas-y. J'ai peur de traverser une période un peu creuse. En matière de sexe. Ouh, et ça fait combien de mois? 5 si je te mens. Non, en réalité, ça fait 6. 6 mois, ça... Ouh là, ça doit être dur. Ah oui, mais en fait, il y a des avantages. Oui, j'apprends à apprécier les petits plaisirs de la vie, comme le chant des oiseaux et... les couleurs du ciel. Le ciel est bleu, Ross, et moi, j'ai pris mon pied hier. Je t'en prie, aide-moi. Je dois voir une fille ce soir et je voudrais que ça marche, tu comprends? Je commence à craindre pour ma santé. D'accord, d'accord. J'ai un truc pour toi. En fait, c'est une histoire que je raconte et qui est particulièrement romantique. Je te jure que chaque femme qui l'entend s'excite et devient hystérique. C'est vrai? Bah vas-y, raconte-la-moi. D'accord. Tu vas avoir envie de faire l'amour avec moi quand tu l'auras entendu, mais... faut surtout pas oublier que ce n'est qu'une histoire. Je vais essayer de contrôler ma libido. Voilà. Il y a des années, à l'époque où je me baladais à travers l'Europe de l'Ouest... Ah, parce que tu t'es baladé à travers l'Europe occidentale, toi. Bonne chance pour les 6 prochains mois, vieux. Non, attends, 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 non, ça va, ça va. Je te prie de m'excuser, vas-y, je t'écoute. Alors, t'étais en Europe, tu te baladais et... Je me trouvais à la sortie de Barcelone. Je voulais faire du stop au pied du mont Tibidabo. J'étais au bout d'un petit chemin et j'ai débouché sur une clairière où il y avait un lac. L'endroit était très isolé. Il y avait de grands arbres, un léger alizé et un silence de cathédrale, somptueux. De l'autre côté du lac, j'ai vu une belle jeune femme qui se baignait toute seule. Mais elle pleurait. Pourquoi ?